Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Bullet. Donc, c'est un jeu que je viens de découvrir récemment. C'est un jeu qui joue quand même assez rapidement, de 1 à 4 joueurs. Une partie, c'est environ à peu près une quinzaine de minutes, je vous dirais. Là. Puis c'est marqué sur la boîte, puis c'est pas mal ça. C'est un jeu un petit peu un style unique en son genre, je trouve. C'est un jeu genre arcade, où ce qu'on est là, des personnages là, féminins qui sont des mangas. Puis on se fait tirer dessus par balles, puis on essaie de rediriger les balles vers notre adversaire. Ce jeu-là se joue là, en plusieurs modes. Vous pouvez avoir le mode compétitif, un contre l'autre. On s'envoie les balles, puis on se dépêche. Je dis qu'on se dépêche parce que ce jeu-là, on peut le jouer avec un timer. Je sais que moi, je déteste les jeux où on est stressé, rusher avec un décompte. Là. On a 3 minutes pour faire le tout, mais c'est complètement optionnel. Puis on ne jouera pas avec le 3 minutes pour ne pas se stresser, parce que je veux bien vous montrer comment le jeu fonctionne. Si vous aimez ça, des jeux où on est timé un petit peu, vous allez voir là, au moins comment il fonctionne. Puis par la suite, là, si ça vous intéresse, là, vous allez pouvoir essayer le 3 minutes si c'est quelque chose que vous aimez. Donc, ce jeu-là se joue à plusieurs modes. Donc, vous avez le mode coopératif. On peut tous diriger les balles vers un adversaire commun. C'est en compétitif. Ça peut jouer aussi en mode solo contre le temps. Donc, un mode solo, ce qu'on doit là, survivre le plus longtemps possible. Puis, il y a aussi un mode solo qu'on a un adversaire juste nous-mêmes. Parfait. Et c'est ce dernier mode-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez comprendre le principe. Puis, il y a plusieurs façons de jouer. Ce jeu-là, c'est le deuxième de la série, Bullet Étoile, parce que le premier de la série, il s'appelait Bullet Cœur, en anglais Bullet Hearts. Donc, la différence entre les deux, il n'y en a aucune. Ce sont deux jeux de base. La seule différence, c'est que lui va vous proposer 8 personnages, puis vous allez avoir 8 personnages différents dans celui-là. Tout intermélangeable, pas de problème. Puis vous allez voir, les composantes se dédoublent aussi. Donc, c'est juste pour avoir plus de personnages que vous pouvez avoir à aller chercher les deux boîtes. Parfait. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, chaque joueur va avoir un plateau aussi ici dans le milieu. Comme si vous pouvez voir, là, si mettons je prends ce personnage-ci, on met le carton comme ça. Puis, les balles vont descendre un petit peu là, je peux pas dire Tetris, mais un petit peu comme Tetris, sauf que c'est pas des formes, c'est vraiment des balles qui vont s'appuyer, puis plus il y en a, plus ça descend. Si jamais il y en a qui arrivent jusqu'en bas ici, ça va nous enlever une vie. Puis évidemment, là, dès qu'on perd notre dernière vie, c'est game over. Donc, ça se fonctionne avec des couleurs puis des chiffres. Vous avez, là, je pense que c'est de 1 à 4 pour les 5 couleurs. Donc, rouge, bleu, vert, jaune et rose. Puis les chiffres, il y en a là-dedans, dans ces chiffres-là, qui ont des étoiles. Puis ça a des effets spéciaux. Évidemment, chaque personnage a une habilité spéciale. Puis, les personnages vont venir avec là, ça, c'est l'énergie qu'on va avoir là, à chaque tour pour utiliser nos cartes. Parce que ça joue avec des cartes, les cartes que voici. Ils appellent ça des patterns, comme par exemple, là, peut-être pas celle-ci, mais comme par exemple, là, si je prends une carte, ça va vous montrer, ben voici ce que vous pouvez faire. Donc, ça, je vais vous montrer les symboles, à quoi ça sert. Mais autrement dit, si on est capable de reproduire ça sur le tableau ici, ben tout ce que les petits X, on va pouvoir enlever les jetons, puis les rediriger, là, les jetons, ça représente les balles, puis les rediriger sur notre adversaire, OK? Donc, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que chaque joueur a son côté méchant, si on veut, son côté qui est l'adversaire. Donc, si jamais je choisis là, ce personnage-là comme adversaire, bien, je le flippe de côté. Puis, elle a là, son propre carton. Si, mettons, c'était son carton elle, parce que c'est marqué, ah, bien, je pense que c'est lui d'ailleurs. Donc, YNN, eh bien, voilà. Donc, ça, c'est son carton à elle. Ça, c'est des habilités spéciales qu'on va pouvoir se servir. Ça, je vais y revenir. Bien, si on joue le côté là, adversaire, boss, bien, elle a ce côté-là ici. Puis, il y a certains trucs qu'on peut faire. Là. Donc, je vais tout vous expliquer ça sans problème. Donc, je pense que la meilleure façon d'y aller avec ça, c'est de vous le montrer en exemple. Vite aussi, vous avez les phases de jeu. Donc, il y a plusieurs de ces étapes-là que ce sont des phases lorsqu'on joue en compétitif, en coopératif. Il y a aussi quelques-uns, c'est pour le mode solo. Donc, je ne passerai pas au travers ça. On va le faire ensemble. Là, le premier tour, on va vraiment prendre notre temps. Puis, vous allez voir, ça va aller super vite par la suite. Les balles, dans ce cas-ci, la version Kickstarter, les balles, c'était des jetons de bois. Moi, j'ai la version là, en magasin. Donc, les balles, ce sont des punch-outs de carton. Donc, c'est vraiment des cartons comme ça. Donc, vous avez pigé ça, puis ce sont ce genre de balles-là que vous mettez sur le plateau. Donc, si ça vous dit le 3 vert, bien, vous devez mettre ça à la troisième espace vide qui est vert. Autrement dit, si j'ai ça ici, bien, le 3 vert va aller 1, 2 et 3 ici jusqu'en bas. Puis, vu qu'il y a 6 espaces pour des jetons, ben dès qu'on en a 3,
puis on pige le 4 vert, ben il n'y aura plus de place, ça va aller de l'autre côté. Mais vous allez tout voir ça là, à l'œuvre sans problème. Puis les jetons, là, il y en a une tonne. Donc, beaucoup, beaucoup de variétés dans le jeu-là. Avec les deux jeux ensemble, vous allez avoir là, 16 personnages à choisir. Chaque personnage vient avec son deck de cartes pour les patterns qu'elle peut faire. Puis évidemment, là, chaque boss vient avec ses cartes parce qu'eux aussi ont des patterns qu'on doit faire pour ne pas avoir des malus. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ensemble avant de continuer l'explication, on va choisir un personnage puis un boss ensemble au hasard. Donc, je sais que je pourrais le choisir moi-même. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à jouer, d'autres sont plus simples. Mais on va y aller au hasard juste pour le kick là, d'avoir là, la surprise. Puis, c'est quand même difficile ce jeu-là. C'est pas très, très facile, mais vous allez voir, c'est quand même bien équilibré. Donc, il y a 16 personnages. J'ai un des 20 ici, donc de 1 à 16, ça va être le personnage qu'on va jouer avec cette fois-ci. Donc là, j'ai le numéro 3. Donc le numéro 3 de notre côté, 1, 2 et 3. On va jouer avec Vesta Jackson. Donc elle, ce qu'elle a ici, c'est elle va avoir une habileté spéciale, donc les displays explosifs. Lorsqu'on va clairer les balles sur un pattern, donc elle va faire une carte. On va regarder le numéro le plus haut sur ces balles-là, donc le chiffre sur le jeton. Et on va mettre là, ce nombre de jetons-là du centre jusqu'à le incoming qu'on claire. Ben, je vais relire ça comme il faut parce qu'il y a certains termes que vous allez voir. Le centre, dans le fond, c'est ça, c'est le sac. Ça, c'est votre centre. Vous avez des currents, le couramment, c'est ici. Donc, je vais tout placer le jeu. Après ça, je vais vous expliquer les termes, puis on regardera en détail là, les habiletés spéciales. Par contre, je dois aller chercher sa carte qui est pour ses pouvoirs spéciaux à elle. Donc, elle, c'est Vesta Jackson. Donc, je vais aller rechercher ici, et je vais trouver celle qui match avec Vesta Jackson. Donc, il y en a 16. Je fais le tour. C'est les derniers. Donc, ça s'enligne pour être ça. Donc, c'est bon. C'est la troisième avant-dernière. Parfait. Donc, pour Vesta Jackson, voici son plateau. Elle va avoir 7 actions qu'elle peut utiliser par round. Et ça, ce sont les habiletés qu'elle peut utiliser en payant le coût en action. Donc, si je veux faire là, cette habileté-là ici en haut, ce qui veut dire ici, c'est que je vais bouger une balle en bas, gauche-droite, de un espace. Ça va me coûter une action pour faire ça. OK? Donc, ainsi de suite, on va les regarder ensemble aussi un petit peu plus tard. Parfait. Donc, ça, c'est pour Vesta Jackson. Je vais mettre ça ici de cette façon-là. Par la suite, on va se choisir la même chose, mais on va se choisir un boss contre qui? Notre adversaire, dans le fond. Donc là, je vais prendre le dé. Il en reste 15, donc de 1 à 15. Ça va être notre adversaire. Et c'est le numéro 13. Donc, 15, 14... 13. On va se prendre contre Senka Kasun. Donc, ceux qui connaissent le jeu, peut-être qu'ils la connaissent. Donc, mais par contre, ça va être de l'autre côté, le côté boss. Donc, le côté boss, elle, ça s'appelle The Bark. Donc, terreur incarnée. Donc, assez creepy. Elle a un snipe. Senka, elle a un pattern puis un bouclier. Quand une héroïne perd, tout le monde perd. Donc, autrement dit, si mettons, on joue en plusieurs, s'il y en a s'il y en a un qui est éliminé, tout le monde est éliminé. Bon, on joue en solo, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. De son côté, elle va avoir aussi son plateau d'habileté, mais de l'autre côté, côté boss. Donc, on va aller chercher celle qui s'appelle The Buck, en bas ici. Parfait. Qui devrait être là, le côté contraire de son du sien à elle. Parfait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est son plateau. Il va avoir un pattern actif pour elle. Probablement qu'elle n'aura pas un deck de cartes. Elle va avoir juste une carte. Vous devez voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça va prendre, là, elle a un cœur. Donc, ça va prendre 10 balles pour briser son cœur. Donc, c'est assez spécial. Habituellement, je vous dirais qu'il y a à peu près 5... Les cœurs, c'est des vies. Donc, il y a à peu près 5-6 vies normalement. Elle a 9 juste 1. Donc, j'ai bien hâte de voir là, comment qu'elle joue cette façon, celle-ci. Puis, bien évidemment, vous avez compris, là, chacun a leurs habiletés spéciales. Toutes les boss ont des façons différentes de jouer. C'est assez varié là, avec tout ça. Surtout si vous avez les deux jeux ensemble, vous avez là, pour une tonne de variétés. Puis le jeu, normalement, est assez rapide. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les cartes pour Vesta Jackson. Je vais aller chercher là où les cartes pour The Bark, ici, là-dedans. Puis je vais revenir, puis je vais vous expliquer la symbologie, puis comment le jeu fonctionne. Donc, je reviens tout de suite.
OK, parfait. Donc, la mise en place, elle est faite. Donc, ce que vous avez de besoin, en fait, c'est le deck de cartes de pattern pour Vesta. Donc, vous allez avoir son image ici. Donc, là, on mélange les cartes. Par défaut, vous allez avoir trois patterns à tous les tours. Parfait. Donc, on va regarder ça rapidement. Qu'est-ce que ça vous donne exactement? Donc, voici. Donc, là, je vais avoir un choix de trois. Mettons que ce serait ces trois-là ici. Ça, c'est ce que je peux faire. Comme, faut que je manipule les balles ici pour recréer ça. OK? Donc, ce que vous allez voir ici, par exemple, c'est bon. Si, des fois, ils vont vous demander, là, il faut absolument avoir une certaine couleur, comme ici. Il faut absolument que j'aie un vert avec deux. Chaque côté du vert, il faut que ça soit lime parce que ça, c'est des espaces vides. Puis les deux balles au-dessus du vert vont être retirées du jeu. Okay? Donc le pow comme ça, c'est comme on enlève la balle du jeu. Parce qu'évidemment, n'oubliez pas que s'il y en a trop puis on n'a plus de place où les mettre, on va prendre des dégâts. Donc il faut les sortir, il faut les envoyer vers de bord de toute façon. Donc, puis à chaque tour, j'en ai trois. Parfait. Donc, les symboles sont vraiment très simples. Donc, ça, faut que ça soit n'importe quelle balle. Donc, faut qu'il y ait si on voit un rond comme ça veut dire qu'il faut, comme ici par exemple, faut qu'il y ait trois balles n'importe quelle qui sont là en ligne droite en trois. Puis, on va pouvoir éliminer les deux de chaque côté, tout simplement. Lorsqu'ils vous demandent des couleurs spécifiques, ils peuvent aussi vous demander des chiffres spécifiques de ces balles-là, les cases blanches, puis avec rien. Puis, ici, le égal, il faut que les deux chiffres se matchent. Donc, autrement dit, ici, si j'avais 3 égales dans ceux-là, il faudrait que ça soit 3 fois le même chiffre, soit 3-1, soit 3-2, soit ainsi de suite. Parfait. Donc, ça arrive de temps en temps que ça. Puis, c'est aussi simple que ça. Donc, on doit recréer ce genre de choses-là pour pouvoir enlever les balles de là. Puis, une fois qu'on a fait un pattern, une fois qu'on l'utilise, on défausse la carte. Puis, évidemment, si le paquet devient vide à un moment donné, puis ça va arriver, bien, on rebrasse les cartes tout simplement. Parfait. Autre chose, c'est que les balles qu'on va enlever, on n'est pas obligé de les avoir. Comme ici, je suis obligé d'avoir au moins ces trois-là, mais si je n'ai pas de balle en bas ici, ce n'est pas grave, je pourrais quand même faire le pattern pour enlever la balle d'en haut et défausser la carte. Okay? Donc, les parts comme ça, je ne suis pas obligé qu'il y en ait dessus. Parfait. Donc, on remélange ça. Pour le boss, dans ce cas-ci, pour elle, c'est vraiment particulier. Ce qu'elle a, dans le fond, c'est elle a juste un point de vie. Donc, son pattern à elle, c'est ça ici. Donc, vous voyez, je dois remplir toute la carte avec au moins un jeton. Et si je ne fais pas ça à la fin du round, j'ai le malus que là, ici en bas, c'est qu'il y a une balle qui part du centre et qui nous frappe. Donc, autrement dit, j'ai 4 rounds pour la faire. Sinon, là, parce que c'est quand même... écoutez, c'est quasi impossible de faire ça, là. J'ai 4 rounds pour me débarrasser d'elle. Sinon, ben, on va sûrement crever parce qu'après 4 rounds, si j'ai pas réussi à faire ça, ben, ça va être game over pour nous. Et de son côté à elle, bon, vous avez là, ça c'est son bouclier, son point de vie. Vu qu'on joue à un joueur, ça c'est le nombre de balles que je dois lui envoyer. Donc, je dois lui envoyer 10 balles de son côté pour pouvoir là, briser ça, puis survivre le round pour pouvoir gagner la partie. Le petit 1 que vous voyez là, ça c'est à chaque round, ça c'est le nombre de jetons que j'ajoute sur la plateforme. Je vous dirais que 1, c'est pas beaucoup, puis c'est peut-être même pas assez, parce que quand on n'a presque pas de balles, puis on en ajoute juste un à la fois, c'est difficile de faire des patterns. Donc, ça a l'air très peu, 10, mais vous allez voir, c'est quand même tough, là. C'est quand même difficile. Parfait. Autre chose, vous allez avoir besoin d'un petit sac comme ça. Le jeu vous en fournit tout plein. J'en ai comme 8 de ces petits sacs-là. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'au début de la partie, au tout départ, dans les jetons que là, je dois en prendre 10 et je dois les mettre dans le sac que là sans les regarder. Parfait. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais en prendre, c'est sûr que vous ne les verrez pas parce que je ne veux pas voir les chiffres, là, mais 1, 2, 3, 4, 5. On ne regarde pas. 6, 7. 8, 9 et 10. Parfait. Donc, ça, on met ça de côté pour l'instant. Et ça, c'est les 10 que je dois placer pour le round. Pour que le round se termine, il faut que j'aie plus d'actions et en plus, plus de jetons dans mon sac. Okay? Donc, les actions, c'est pas grave. Si j'en ai plus, je peux stopper le round. Mais ça, c'est absolument important que il faut que le sac soit vide pour que je puisse terminer le round. Parfait. Voilà. Je vais piger nos 3 patterns pour le round présentement. Donc, on va en prendre 3. Et ça va être les 3 que j'ai. Okay, donc, on a ça prend un bleu, un jeton n'importe quoi, puis les deux qu'il y a là. Un rouge, deux vides, les deux jetons qu'il y a là, on les sort. Puis un 2 ici, deux vides par là, puis ces deux-là, on les sort. OK. De notre côté à nous, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il a fallu que je le lise quelques fois pour comprendre comment qu'elle fonctionne, elle. Assez spéciale. Donc, elle...
vous n'aurez jamais plus que deux balles qu'on va enlever à la fois. Okay? Ce qu'il mentionne, c'est dans les deux balles que j'enlève, je prends celle qui a le plus haut chiffre dessus. Et c'est ce nombre de jeux de balles-là que je vais prendre du sac blanc et que je vais mettre sur son plateau. Okay? Donc, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, ça me fait viser les balles les plus élevées. Donc, je vais toujours en enlever deux, mais ça se peut que j'y envoie quatre balles si je réussis à enlever un 4. Vous allez voir, là, je ne sais pas si je m'explique bien clairement, mais vous allez voir là, l'exemple là, en fonction dans pas trop long. Ensuite de ça, elle a 6 actions. Les actions que je peux prendre, pour une action, je peux bouger là, une balle, manipuler les balles ici, là, de, en bas gauche-droite, pour une action chacun. Pour une action, je peux défausser un pattern pour en piger un autre. Donc, je remplace, ce n'est pas un supplémentaire. Pour une action, je peux là, faire un échange, une permutation de deux balles. Et ça ici, les étoiles, c'est si jamais une des deux balles que j'enlève, c'est une étoile, parce que vous allez voir, il y a des jetons qui ont des étoiles dessus, je peux faire tout de suite ça ou ça. Donc, ça va me donner un point d'action tout de suite. Ou bien ça, si jamais j'ai un jeton avec une étoile, je vais pouvoir enlever les balles tout le tour. Okay? Mais encore une fois, la même chose, dès que j'enlève une balle, ben en fait, je vais enlever ces quatre balles-là. Je vais prendre le chiffre le plus élevé de ça, puis c'est ça qui va avoir comme point de dommage. Fait que si ça donne que c'est 4-1 que j'enlève, parfait, je vais enlever les patterns du tableau ici, mais il va avoir seulement qu'un point de dommage. Donc, c'est toujours important pour moi de viser la balle avec le plus haut chiffre. Parfait. OK, donc sans plus tarder, on peut commencer ça. Donc, je vais mettre les cartes en haut ici pour que vous puissiez les voir avec moi. Et on commence. Donc, au départ, je vais vous montrer là, pour les phases, on commence toujours avec la phase option. Donc, la phase option, c'est dans n'importe quel ordre, on va placer les bullets, donc on va placer les balles. Les balles, je ne suis pas obligé de mettre toutes les 10 tout de suite. Je peux en mettre tant que je veux. Je peux arrêter, faire des patterns, continuer d'en mettre. Pas de problème, je peux alterner sans problème en autant que mon sac soit vide à la fin du round. Okay? Ensuite de ça, on va utiliser des actions. Donc, dans n'importe quel ordre, comme il disait, là, on place des balles. Utiliser les actions, ben c'est les actions, c'est ça qu'il y a ici. Okay? On peut utiliser des patterns, donc on peut là, faire ces cartes-là ici. Ensuite de ça, on peut utiliser des power-ups. Là, les power-ups, il n'y en a pas lorsqu'on joue en solo. Okay? Je vous explique. Les power-ups, ce sont des petites tuiles que vous voyez ici, il y a des places pour d'autres tuiles. Bien, le jeu il vient avec tout plein de tuiles comme ça, avec d'autres pouvoirs spéciaux. Ces power-ups-là, lorsque vous jouez à plusieurs, en co-op ou en compétitif, vous allez toujours avoir une offre de ça. Puis à chaque round, vous allez en prendre un puis les mettre sur votre plateau. Puis dès que vous l'utilisez, c'est jetable. C'est tout des one-shots, OK? Mais ça, ces jetons-là, on ne s'en sert pas en mode solo du tout, OK? Donc, comme je vous disais, utiliser les power-ups, tout ce qui touche des power-ups, ça ne nous touche pas. À la fin de la phase, donc lorsque j'ai terminé, j'ai plus d'action, puis j'ai plus de balles dans mon sac, le round se termine, on passe au end phase. Donc là, ça dit de prendre un power-up, comme je vous disais, en mode solo, on n'en prend pas parce qu'on s'en sert pas. Donc on skip cette partie-là. On va repiger notre main. Donc si jamais j'ai utilisé deux cartes, on va en piger deux autres pour aller jusqu'à trois. S'il m'en reste plus, on repige jusqu'à trois. Puis si j'en ai plus assez dans mon paquet, ben je vais mélanger la défausse puis refaire un paquet 3. Je vais toujours avoir 3 cartes au début. Okay? Ensuite de ça, on va mettre l'intensité du centre vers le courant. Cette phase-là, on ne s'en sert pas en mode solo contre un boss. Cette phase-là, celui-là ici, c'est pour lorsqu'on joue en mode solo, puis faut faire le plus de points possible. Il y a comme un plateau qui vient avec, puis ça va vous dire, là, si je peux vous le montrer, là, une petite parenthèse, là. Donc, il va avoir de l'intensité à chaque tour. Donc, vous allez avoir un tableau comme ça. Vous allez commencer avec 4 balles, 5 balles, 6 balles. Puis, à chaque round, ça va monter d'intensité jusqu'à temps que vous n'êtes plus capable. Et donc, ça, c'est un mode solo quand vous voulez jouer contre le temps, juste vous-même, OK? Mais contre un boss comme ça, bien, cette phase-là, on ne s'en sert pas. Donc, on peut skipper ça. Ensuite, vous avez la phase clean-up. Donc là, on fait tous les suivants dans le bon ordre. Donc, première des choses, on va mettre des nouveaux power-up. Donc, on va remplir la demande de power-up, les petits jetons qu'il y a ici. On ne s'en sert pas en mode solo, donc ça, on skip. C'est de valeur qu'ils n'ont pas fait une petite carte comme ça pour les différents modes de jeu. Ensuite, on va augmenter l'intensité de 1. Ça, c'est le carton que je viens de vous montrer. Dans notre cas, lorsqu'on joue en solo contre un boss, ça n'arrive pas. On va mettre des balles de notre incoming dans le courant. Le incoming,
c'est des balles sur notre plateau. Parce que quand on joue à plusieurs, nos collègues, si on joue en coop, peuvent nous envoyer des balles pour nous aider à faire des patterns. Donc là, le incoming qui s'en va là-dessus, ça se fait comme ça aussi. Okay? Si on joue en mode compétitif, bien, c'est là que les autres vont nous envoyer des balles pour remplir ça le plus vite possible. Donc, sans regarder vraiment nos patterns, ils nous envoient des balles pour qu'on puisse survivre. Mais ça, tout ça, encore une fois, c'est toutes des modes qui ne sont pas en mode solo. Ils ont mis tous les modes là-dessus. Le numéro 3, on va, ça c'est ce que je vous mentionnais, le incoming. Puis le numéro 4, on va remettre nos actions à 7. Ça, il n'y a pas de problème. Il va falloir que je vais reprendre mes actions à 7. À toutes les rounds, je vais commencer avec 7 points d'action. Parfait. Ensuite, on va au round du boss. Donc là, on va le faire dans cet ordre-là. Le boss va activer son pattern. Donc c'est là qu'on va regarder est-ce qu'on a les exigences que son pattern demande. Si oui, pas de problème, on ne fait pas le malus. Sinon, on doit faire ce qui est écrit dessus. Puis lorsque le boss a un paquet de cartes, après ça, on remplace par la suivante. Même chose, si lui en a plus dans son paquet, on rebrasse puis on remet. Okay? Dans notre cas à nous, pour elle, de Bark, elle n'a juste une carte. Donc ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de remplacement par la suite. Mais on va falloir quand même regarder à tous les tours sa carte, là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite de ça, le boss va checker si on brise les shields. Donc on va regarder à ce moment-là, est-ce que j'ai assez de balles pour briser son bouclier? Si oui, ben le bouclier part, pas de problème, on a gagné la partie dans notre cas. Il y a certes, les autres boss, vous allez voir, il y en a plusieurs. Là. Donc, si on regarde, mettons, par exemple, j'en prends un autre. Là, ici, vous voyez qu'il y a comme plusieurs points de vie. Là. Puis, à chaque fois qu'on enlève un bouclier, s'il y a du texte dessus, il faut qu'on on fait le texte. Donc, si jamais j'ai assez de balles pour enlever plusieurs boucliers, je dois faire le texte de chacun de ces boucliers-là. Parfait. Et ensuite de ça, l'héroïne va piger l'intensité. Donc, piger l'intensité, c'est là qu'on va regarder le chiffre qu'il y a ici en haut qui est dévoilé. On va prendre ce nombre de balles-là du sac du centre, du sac blanc, puis on va les mettre là-dessus. Puis le round recommence avec ça. Donc, comme vous voyez, elle, une balle à la fois, les rounds vont être assez rapides. Puis comme je vous dis, là, à chaque round, elle va nous envoyer une balle. Fait qu'elle ne nous donne pas de munitions pour faire des patterns. Donc, très difficile comme boss. Vous allez voir, là, la partie va être quand même assez courte. Au pire, on va en jouer une deuxième avec un autre d'autres personnages. Parfait. Puis par la suite, vous allez avoir, là, le boss va révéler un nouveau pattern. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, là, on va révéler une nouvelle carte, puis on continue. Et on recommence un autre round. Parfait. Donc sans plus tarder, on va commencer ça tout de suite. Donc pas mal des choses. Là, c'est à moi à jouer. Là, je vais sortir au hasard des balles qu'il y a dans mon sac courant. OK, j'en ai 10 là-dedans, puis il faut là, j'ai sorti les 10. On a le 2 bleu. Parfait. Ensuite, on a le 3 vert. En tout temps, je peux arrêter pour faire un pattern si jamais ça fit, hein, si ça marche, ou je peux manipuler mes trucs. Donc, il n'y a pas d'ordre spécifique. Là. Je mets des balles, je fais ça, je fais mes actions, ou je fais des patterns dans l'ordre que je veux, en autant que j'ai assez de balles, puis j'ai assez d'actions. Parfait. Ensuite, on a le 3 bleu. Donc, 1, 2, 3. Il va aller ici, la troisième espace vide. Ensuite de ça, on a... c'est un 2 rose. Okay, ici... Donc, vous voyez, comme je disais, elle a une étoile. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Là. Le 3, ça, c'est une balle étoilée. Les autres, ils ont juste un symbole là, de genre, un symbole de feu qui n'est pas une étoile, évidemment. Là. Un 2 bleu, encore une fois. Donc, oui, les chiffres se répètent. Je pense qu'il y a à peu près 3 2 bleus. Puis, il y en a un sur le... 4 2 bleus. Puis, il y en a un sur les 4 qui a une étoile, si je me souviens bien. Là. Donc, il y a amplement de balles suffisantes. OK, donc là, ça vient dangereux. 3 bleus. 1, 2, 3. Okay, donc là, si jamais je repige un autre 3 bleus, 1, 2, 3, là, je vais prendre un point de dommage. Donc là, pour les bleus, ça vient dangereux. Je vais arrêter de prendre de ça, puis je vais voir si je suis capable de faire un pattern quelque part pour m'aider ou manipuler quelque chose. Donc, si je regarde ici, peut-être que je pourrais peut-être faire celle-là. J'ai un bleu ici, j'ai un jeton, puis les deux autres ici que là, je pourrais faire du dommage. Sauf que dans ce cas-ci, je ferais 2 points de dommage, mais ça serait déjà ça. Puis j'enlèverais le 2 rose, ça ne m'aiderait pas dans ce cas-ci pour ça. Je vais aller voir, c'est pas d'autre chose. Malheureusement, tous mes patterns que j'ai sont tous à l'horizontale et non pas à verticale. Donc ça va être plus difficile. Par contre, j'ai celui-là ici, ça me prend un 2 quelconque. J'ai un 2 rose, 2 blank. Puis les deux qu'il y a ici, je pourrais les faire sortir. Fait que ce que je pourrais faire, malheureusement, j'ai rien ici pour monter les balles par en haut. Je peux les tasser à gauche, à droite, mais rien pour les monter. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est que je pourrais descendre puis tasser. Ouais, faisons ça, OK?
Donc là, je vais payer une action pour descendre le 2 rose ici. Je vais payer deux actions pour tasser le 3 que là de 1 et 2 comme ça. Parfait. Et là, je vais appliquer le pattern que là, j'ai un 2, j'ai deux blanks, puis ces deux-là, ils vont quitter. Là, je vais appliquer en ce moment ce que l'habilité, ce que Vesta Jackson me mentionne. Première des choses, ça, je vais défausser ça à côté. Donc, elle me mentionne les balles que j'ai liquidées. Je dois prendre le plus élevé. Donc, le plus élevé, c'est le 3 que là. Et je vais prendre 3 balles du centre, puis je vais les mettre sur le bac. Donc, une, deux, peu importe le chiffre, la couleur, ça fait 3 balles sur elle. Et ces deux balles-là, je vais les remettre dans le centre. Ceux-là, ils sont retournés dans le sac ici. Là, vous allez remarquer, j'ai liquidé avec un étoile. Donc là, je pourrais faire une de ces deux choses-là. Je pourrais prendre un point d'action pour m'en redonner un, ou je pourrais faire ceci. Si je suis capable d'avoir un jeton avec un étoile, je pourrais liquider là, de façon octogonale les balles qu'il y a là. Malheureusement, je n'ai pas de balles étoilées, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point d'action. Parfait. OK, donc ça, les patterns, je ne peux pas je peux pas aller en chercher d'autres. La seule façon d'aller en chercher d'autres, c'est au prochain round. Puis j'ai pas rien ici qui me permet d'aller en ajouter, parce que certains joueurs, dans les actions qu'il y a ici, il y en a certains qui vous permettent d'aller chercher d'autres cartes aussi. Donc, comme je vous dis, là, tout ça ici, puis ça, ça peut être différent à chacun des joueurs. C'est ça qui est vraiment le fun avec ce jeu-là, c'est vous pouvez faire des mix and match, les puzzles assez intéressants. OK, donc voici, je pense pas faire d'autres patterns, donc il me reste encore des balles dans mon sac. On va continuer. Donc on va aller en chercher d'autres. Donc c'est encore dangereux pour le bleu, parce que si je pogne un 4 bleu, je vais avoir du dommage. Donc là, on a un 3 jaune. Ensuite de ça, on a un 2 rouge. Je pense qu'il m'en reste un ou deux, il m'en reste deux. Donc toujours un à la fois. Un 2 rose. Parfait. Celui-là, tout à l'heure, vous vous souvenez, je l'ai descendu. Puis, je vais en prendre un dernier. C'est le dernier qui me reste. Mon sac est vide par la suite. Okay? J'ai un 1 jaune que je vais mettre ici. OK. Est-ce que je peux faire d'autres patterns? Il faut que je réussisse à mettre 10 balles de ce côté-là. J'en ai 3 de fait sur 10 à date. Donc là, j'ai peut-être mon pattern rouge ici. Donc, un rouge, deux vides avec deux comme ça. Donc, j'ai un rouge. Il faudrait que je le tasse, lui. Je vais prendre 2 actions pour utiliser ça 2 fois pour tasser lui de 2. Parfait. On va appliquer le pattern Cherry Bomb. Donc, on enlève ça, on enlève ces deux-là. Donc, ça, ce sont des deux. Donc, le plus élevé, c'est 2. Je vais aller chercher dans mon sac 2 balles pour ajouter sur le plateau. Donc, 1 et 2. Donc, c'est quand même pas si pire. On a la moitié de fait, là. N'oubliez pas, elle va remettre juste un seul jeton dans mon sac. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée pour moi de tout vider ça le plus vite possible pour l'instant. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais arrêter là. Ouais, je vais arrêter le round là. Il me reste une carte, ça je la garde. Donc, on stoppe le tout. Donc là, on va faire la phase de la fin. Donc, on se souvient. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un power-up. Ça ne s'applique pas à nous. Il n'y a pas de power-up durant en mode solo. On va repiger notre main. Donc là, on en a une. On va aller chercher deux autres cartes. Donc, la prochaine qu'on a eue, c'est le shoulder jack, qui est comme ça. Bon, enfin, c'est en vertical. Ça, c'est bon. Oups. Et ensuite, on a le Legendary Myth Dragon, qui est celui-ci. OK. Parfait. Ensuite de ça, on va ajouter l'intensité. C'est pas notre cas. Il n'y a pas d'intensité en mode solo avec le boss. Le clean-up. Les power-ups, ça s'applique pas. On va ajouter l'intensité de plus 1, ça marche pas. On va mettre des bullets de notre incoming dans le courant. Donc, le incoming puis le courant, il n'y a pas d'incoming parce que ça le incoming, ça revient ça viendrait de d'autres joueurs. On est en mode solo, il n'y en a pas de incoming. Donc, c'est peut-être ça qui est un petit peu mélangeant, c'est les termes, mais vous allez voir après une ou deux parties, là, ça va rentrer assez facilement. Là. Et ensuite, on va mettre nos points d'action à 7. Parfait. Le tour du boss. Donc, le boss, il va activer son pattern. Donc, il l'active. Évidemment, c'est loin d'être complété. Il va nous faire un point de dommage à partir du centre ici. Donc, quand je prends une balle que je vais mettre comme point de dommage. Boom! OK. Ensuite de ça, il va valider si son bouclier est brisé. Non, pas du tout. J'ai 5 balles. Ça m'en prend 5 autres pour me débarrasser. En fait, j'ai 3 rounds, hein, parce qu'après 3 rounds, je vais être liquidé, là. Donc, l'héroïne va piger son intensité. Donc, c'est là que je vais regarder l'intensité. Maintenant, c'est à ça ici. Okay? C'est à 1. Donc, je vais prendre une balle que je vais mettre dans mon sac courant. Seulement qu'une.
et on la met dans le sac. Boum. Voilà. Puis, il va révéler un nouveau pattern, mais c'est pas le cas parce qu'elle en a juste un. Donc, that's it. Donc, on recommence un prochain round. Donc, finalement, je vais aller chercher la seule et unique balle qu'il m'a donnée. On va l'ajouter à notre plateau. C'est un 4 roses et on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, OK. qu'est-ce que je peux faire? Ça me prend un bleu, un jeton, puis les deux prochains, ils meurent. Ils créent. Donc, je peux pas malheureusement monter mes jetons ici. Par contre, je pourrais payer 2 pour en descendre 2. Donc, je paye 1 et 2 pour descendre 1 et descendre 2. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine de payer un autre pour descendre mon 3 bleu ici. Right? Non, je recule. Donc, on remonte ça là, on fait ça comme ça. Je dois payer un autre point, en fait, pour faire ça comme ça. Parce que j'aimerais ça aller chercher le 4. Donc, je vais en payer deux autres. Là, je sais pas, je me suis mélangé, mais c'est pas grave. C'est juste un fait d'exemple pour descendre ces deux-là. Et là, je vais pouvoir appliquer celui-là ici, le Sparkle Wink. Donc, j'ai un bleu, j'ai un jeton, puis les deux prochains, ils partent. Donc, celui-là, c'est un numéro 4. Donc là, je viens d'ajouter 4 balles sur lui, là. Donc, ça valait à peine parce que c'est rendu à 9. 1, 2, 3, 4. Et celui-là, il retourne dans le sac. All right. Ça a été utilisé. Il m'en manque juste une balle, juste une pour lui. OK. C'est quelque chose qu'on peut faire? Oui, oui, facilement. Donc, ah non, je peux pas monter des balles. Il me reste deux actions. Je peux-tu faire celle-là? Ouais, je pense que oui. Non, je peux pas monter des balles vers le haut. Par contre, je pourrais descendre... Faudrait que je paye une action pour descendre le rose, puis ma dernière action pour descendre le 3 que là. Et là, on va appliquer le Legendary Myth Dragon. Ça me prend un rose, deux blanks, puis ces deux-là, ils peuvent partir. Pouf! Donc ça, on vient d'y faire un autre 3 points de dommage. 3 balles. Donc une... 2 et 3. Et celui-là, il retourne dans le sac. Donc là, je vais stopper le round ici. De toute façon, il ne me reste plus grand-chose. Donc, on fait les étapes. On prend power-up, il n'y en a pas. On va piger nos cartes. On va piger les deux prochaines. Donc, Joint Artillery. Donc, vous voyez ici, ça me prend absolument un jeton qui a un 1 dessus avec deux jetons n'importe quoi. Puis ces deux-là ici pourraient partir. Puis, on a le Firecracker comme ça. OK. Ensuite de ça, l'intensité en haut, on change, il n'y en a pas. On va ajouter un power-up, il n'y en a pas. On va ajouter l'intensité par héros, j'ai pas mon board d'intensité ici. On va mettre des balles de notre courant, on n'a pas rien dans le courant. Et on va remettre nos actions à 7. Okay. Ensuite, c'est le tour du boss, donc elle va activer son pattern. On n'a pas fait ça ici, évidemment, c'est tout vide. Donc, elle va nous faire un autre point de dommage. Boum! Donc, un autre point de dommage qui passe. Et ensuite de ça, on va piger notre intensité. Puis l'intensité qu'on a du boss, c'est 1. Donc on prend une balle qu'on met dans le sac noir ici, seulement que 1. Boum! Juste avant, j'ai oublié de regarder si le bouclier est brisé. Eh bien oui, parce que ça prend 10 balles. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paf! Donc, that's it, c'est game over pour le boss, on vient de gagner. OK. Les autres boss, si jamais là, j'avais un boss normal, ça me prenait 5 jetons pour faire un bouclier, j'en aurais assez pour 2. OK, 2, 4, 6, 8, 10. Là, j'aurais brisé 2 boucliers à coup de 5. Dès qu'on brise un bouclier d'un boss, tous les jetons sont enlevés. Donc, si j'ai de l'excédent, sont pas enlevés. La seule temps où ce qu'on laisse les balles là, c'est si on n'a pas fait au complet ce que là. Ou bien, à moins que ça soit indiqué sur le boss, là, qu'est-ce qui se passe, là. OK? Donc, elle, là, je pense que je l'ai peut-être pas lu au début, là. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'elle a un pattern puis un bouclier. Puis quand que s'il y en a un des joueurs meurt, on perd toute la partie. Mais vu que je joue en tout seul, ça ne change rien. Donc, on aurait gagné contre The Bulk en utilisant Vesta Jackson. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que vu que la partie s'est quand même déroulée assez vite, je vais vous montrer un deuxième exemple. Je vais juste là, on va retourner pour prendre les joueurs au hasard.
Puis, je vais faire un petit reset, puis on va en rejouer une deuxième. Vous allez voir, ça joue. Vous voyez, ça joue assez rapidement, là. Parfait. Donc, je vais essayer d'éviter de prendre ceux-là ici. Donc là, il m'en reste, j'en avais 16. Moi, il m'en reste 14. Donc, de 1 à 14, on va aller chercher pour nous, notre joueur, le numéro 3. Donc, 1, 2, 3. On va jouer avec YNN News. Ça, je la mets de côté. Ça va être notre joueur. Donc là, il m'en reste 13. De 1 à 13, ça va être le boss contre qui qu'on va se prendre. C'est numéro 16, c'est trop loin. Numéro 18, c'est trop loin. Numéro 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notre adversaire ne sera pas Rose Blanchette, ça va être The Black Rose. Donc, je vais faire la mise en place pour les deux personnages et je reviens tout de suite. All right, de retour. Donc, la mise en place est faite. On va faire un petit tour d'horizon, savoir là, c'est quoi leur habileté spéciale. Commençons par The Black Rose. Donc là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'elle, elle a 5 boucliers, qui appellent 5 points de vie, si on veut. Ce qui est indiqué ici, c'est que les boucliers ne peuvent pas être enlevés par nos balles. Donc, les balles qu'on va enlever du plateau vont retourner dans le centre parce que ça n'a aucun impact sur elles. Probablement que c'est les patterns qui nous font enlever des boucliers, là. C'est mentionné ici, là, lorsqu'on complète un pattern de rose, donc une des cartes qu'il y a ici, on va faire ce qui est indiqué dessus normalement. Donc, si on complète ça, si on complète le pattern, on va lire le texte. Puis on va voir qu'est-ce que ça va nous donner là. Donc, ensuite de ça, le texte qui est marqué en dessous des boucliers, ce sont des malus qui vont être en vigueur pour toute la partie. Okay? Donc ça va être là un malus qu'on va avoir tout au long de la partie. On va voir qu'est-ce que c'est exactement. J'ai pas pris le temps de regarder, de lire qu'est-ce que c'était. Donc, je vais avoir la surprise en même temps que vous. De notre côté, pour YNN, donc elle, son habileté spéciale, c'est qu'elle commence avec 5 alertes. Donc ça, c'est des cartes qu'il y a ici. Et c'est indiqué ici qu'à la fin de la phase de clean-up, on va choisir une alerte, on va faire les effets de la carte et on va la retirer du jeu. Parfait. Donc les effets, là, ça va être, on va les regarder au fur et à mesure en détail lorsque je vais les choisir. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que, parlons par exemple, celle-ci, vous ou bien tous les autres héroïnes, si on joue à plusieurs, on fait le suivant. Donc on va prendre deux balles de notre site et on va les remettre dans notre courant. Donc, autrement dit, c'est qu'on prend deux balles de notre plateau puis on le remet dans notre sac noir. Donc, évidemment, ça va s'ajouter pour le prochain round. Mais s'il y a des malus qui sur le pattern du boss qui nous fait ajouter des balles, ben ça va nous donner un petit coup de main au moins là-dessus. Ça donne un petit break. Donc, on va les faire un après l'autre. Donc, une fois par round. Aussi, de son côté, qu'est-ce qu'elle a de bon de ce côté-ci? Donc, elle a 7 points d'action. Ça mentionne ici que pour une action, on peut, comme d'habitude, bouger là, une balle en bas, à gauche, à droite. Ça, je pense qu'ils ont pas mal tous ça. Pour 2 points d'action, on peut piger un nouveau pattern. Donc, excellent, on peut avoir un autre pattern avec nous. Pour 2 points d'action, on peut aller chercher une alerte qui a été enlevée de la partie. Donc, si une alerte qui nous a vraiment été utile, on peut payer 2 actions pour aller la remettre dans notre paquet, notre choix. Autre chose ici, pour 2 points d'action, on peut, à la fin de la phase clean-up, activer une deuxième alerte. Donc, on peut en faire 2 si ça nous aide. Et de ce côté-ci, si jamais on enlève une balle avec étoile, bien, comme d'habitude, je pense ça aussi, c'est standard partout, on peut récupérer un point d'action. Parfait! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les nouveaux patterns pour elle, ses patterns de départ. Là, j'ai pris la liberté là, de mettre les 10 premières balles dans le sac pour gagner du temps un petit peu. Donc, on va prendre les 3 premières, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la vérité. Donc, une balle avec un 1, une autre balle ensuite, puis les 3 autres, on les enlève. Le firewall, donc une balle, un rouge absolument, ces 3-là, on les enlève. Puis, Freedom of the Press, donc 2 balles ici, chaque côté, il faut que ça soit blank, puis on enlève les balles sur la ligne d'en haut. Parfait. On va voir si ça peut nous être utile. Excellent, donc il nous reste seulement qu'à sortir le pattern du boss. Qu'est-ce que ça mentionne? Elle a le Cropite, donc il va falloir qu'on garde au moins ce pattern-là libre de balles sur le plateau quelque part. Si on réussit ça, ça va être ça ici. Donc, chaque héroïne complète ce pattern-là. Donc, si on joue à plusieurs, il faut que tout le monde ait ça sur leur plateau pour que ça fonctionne. Ensuite, Rose va briser un bouclier au hasard.
Puis on ne peut pas en briser plus qu'un par tour. Donc on va prendre un au hasard, on va appliquer les malus pour toute la partie, puis on continue. Donc si on peut faire ça 5 fois, on va avoir là, réussi à battre The Black Rose. Parfait, donc on commence ça tout de suite. On commence avec nos balles. Allons-y. Donc on a 10 balles là-dedans, une à la fois. Let's go. Donc on a un rouge. Ensuite, on a un 2 vert. Ensuite, un 1 jaune. OK. Ensuite de ça, on a un 2 bleu, qui est une étoile. Le suivant, c'est un 2 rose. Donc, ça se situe pas mal dans le haut pour l'instant. Un 4 rouge, juste ici. 2 roses. Donc on va peut-être capable de finir. Je pense qu'il m'en reste 2. Un 2 bleu. Donc c'est tous des petits chiffres. OK. Et on a un 3 roses. Oh, 1, 2, 3. OK. Il en reste plus. Donc tout est sur le plateau. Donc en partant, ça va bien parce qu'on a déjà le pattern qui est disponible. Donc, je peux juste essayer de me débarrasser des balles pour me préparer parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'elle va nous envoyer un autre 10 balles à chaque fois. Complètement le contraire de l'autre juste avant. Là. L'autre avant, elle nous en donnait seulement qu'une. OK. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, je vais payer 2 points d'action pour faire 1 et 2. Et on va faire la vérité. Donc, ça me prend un 1, ça me prend une balle, puis ces 3-là sont enlevés. Boum, boum, boum. Ça, c'est défaussé. Ça, on remet ça dans le grand sac. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? Celui-là, ici, ça me prend un rouge, mais ici, j'ai rien en bas. Ils sont trop loin. Fait que ça, je pourrais pas le faire ce tour-ci. Freedom of Press, j'aurais ça. J'aurais ça. Faudrait que j'aie des balles ici, mais je peux pas monter aucune balle vers le haut. Donc, faudrait que j'en descende, mais faudrait que j'en descende pas mal trop. Donc, malheureusement, je peux rien faire de plus vraiment avec ça. Là. Ce que je peux faire, par contre, c'est que je peux payer 2 balles pour aller me chercher un pattern, pour piger un pattern de plus. Donc, on a ici le laser satellite. Donc, si on peut avoir le focus. Donc, un 1 avec un vide, puis les 3 par la suite. OK. Un vide, ensuite 3 par la suite. Je pourrais apporter le 2 ici. Je pourrais faire ça. Il me reste combien d'actions? Il m'en reste 2. Donc, 1, 2. On parle de 1 et 2. Et on va faire le satellite laser. Un jeton avec un 1, un lime, puis les 3 autres en dessous. Donc, ces 2-là, on les enlève. On se fait de la place. Excellent. Il me reste une action à faire. J'ai pas grand chose que je pourrais faire vraiment, donc je vais laisser tel quel, on termine ça. Donc à la fin, donc, on passe rapidement, on prend un power-up, il n'y en a pas, on va repiger notre main, donc on en a 2, on va en piger une troisième. Donc on a récupéré ici le muckraking, donc ça me prend une étoile dans le milieu, 2 de disponibles chaque côté, puis les 3 du dessous, on peut les enlever, OK. Ensuite de ça, c'est tout pour ça, on va récupérer nos 7 actions. Et c'est tout, on passerait au boss, mais juste avant, là, on a terminé la phase clean-up. Là, c'est là que je vais devoir aller choisir une carte ici qu'on doit appliquer. Pour les avoir déjà lues, je pense que je sais lequel que je vais aller chercher. Ouais, je vais prendre celle-là. Donc, le Branded Credit Card. Donc, ça dit ici, pour vous et tous les autres héroïnes, on est seul. Donc, on va faire le suivant. On va choisir un pattern dans notre main au hasard, le défausser et n'en piger un nouveau. Donc, on va faire ça. Donc, vous allez voir, ces cartes-là sont pas tellement, là, je peux pas dire qu'elles sont vraiment, là, très, très bénéfiques pour nous. Souvent, ils vont peut-être nous nuire un peu. C'est pas indiqué nulle part si je suis obligé de les faire ou pas. Sur son plateau, ici, ça dit qu'à la fin de la phase clean-up, choisissez une carte alerte, utilisez les effets, puis l'enlever. Mais ça mentionne pas si je peux ne pas skipper cette étape-là ou pas. Donc, vu qu'il n'y a pas la mention, je vais le faire quand même à tous les tours. Donc, on en choisit une au hasard, qu'on enlève. On va enlever le muckraking. Je pense que c'est lui que je voulais garder en plus. Dommage, les autres n'auraient pas dérangé. Donc, on défausse celui-là, puis on remplace avec celle-ci, le Spam Bots. Donc, ça me permet d'enlever 3 comme ça en diagonale. Parfait.
Ensuite, le boss va activer son effet. Donc, est-ce qu'on a ce pattern-là de vide? Oui, on a ça pas mal dans ce coin-ci. Donc là, on va prendre un de ses boucliers au hasard et puis on va en enlever un. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un des 20, donc on y va au hasard. 7, 5, ce serait celui-là ici qu'on enlève. Et c'est indiqué là-dessus. Après avoir utilisé un pattern, on perd un point d'action. Wow, OK. Donc à chaque fois que j'ai une carte, je vais enlever un point ici. Ça m'aidera pas, ça. Donc, pour m'en souvenir, je vais mettre le petit symbole qu'il y a là. Parfait. Ensuite de ça, on va piger l'intensité, puis on va révéler le prochain pattern. Faisons ça. Donc, le prochain qu'on va faire, c'est celui-ci, le Flash Mob. Donc, il faut avoir la même chose, ces endroits-là de libre. Puis, le texte en bas, c'est exactement la même chose. Donc, je pense qu'ils vont être tous pareils de toute façon. Donc, on doit s'assurer d'avoir ça. Donc là, je vais remplir mon sac, le current qu'il y a ici. Il faut que j'ajoute 10 autres balles dans ce sac-là. On va enlever ça, se faire de la place, et on passera au round 2 par la suite. OK, on mélange le tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un autre 2, 9 et 10. OK. Allons-y. Donc, on commence un prochain round. Let's go. Donc, on a le 1 rouge. OK. Ensuite de ça, on a le un autre 1 rouge. Ensuite, on a un 3 noir. 3 noir, 3 jaune. Ensuite, on a un 2 bleu. Ensuite, on a 3 roses. 2, 3, il va ici. Ensuite, on parle d'un 1 jaune. Parfait. Ensuite, un 3 vert. Ça va bien. Il y a peut-être le rouge qui est dangereux, puis le rose, parce que si j'obtiens un 4 d'un de ces deux couleurs-là, ça va me faire une blessure. On va continuer encore un peu. Peut-être un ou deux de plus. J'ai un 2 vert que je mets ici. Là, il me reste, je pense qu'il me reste 2 jetons, ouais. Donc, on va aller un à la fois. Un 2 jaune. Puis, on va prendre la chance, on va prendre le dernier. Le dernier qui est un 2 rose. Il m'en reste plus. OK, 2 roses, ça va ici. Parfait. Bon. OK, donc encore une fois, on est chanceux parce qu'on a le pattern qu'il y a ici, on le retrouve en bas ici sans problème. Donc, on va vraiment essayer d'enlever ça le plus possible. OK, donc avec ce que j'ai ici, celui-là, il m'énerve un peu parce qu'il faudrait que je descende tout ça. Il coûte très cher, lui. Je vais payer une action pour tasser lui. Et on va faire le Freedom of Press. Donc, ça va me prendre 2 libres, 2 jetons, puis ces 3-là vont être enlevés. Donc, lui, lui et lui, on remet ça dans le sac. Good, ça, c'est défaussé. Je viens de faire un pattern, donc je dois perdre une action par rapport à ce qui est écrit là. Ensuite de ça, je vais prendre une autre action pour descendre lui et on va faire le spam bot. Donc ces 3-là ici, on va les enlever. On remet ça dans le sac. Donc on défausse. J'ai utilisé un pattern, donc on va perdre une autre action. Lui m'énerve, lui, c'est lui, j'aurais aimé ça enlever tout à l'heure, là, parce que le rouge, là, c'est lui ici. Il faudrait que j'aie un jeton ici, un rouge là, pour enlever un. C'est pas tellement, là, pas tellement productif, là. Ouais, je peux pas faire grand-chose. Je pense que je vais payer 2 autres pour aller chercher un autre pattern. Donc, on a le off the record. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand-chose pour l'instant. Je peux tout m'arranger faire quelque chose, mais j'enlèverai pas beaucoup de jetons là. Je pense que je vais stopper le tout ici parce que pendant que j'ai encore mon pattern ici, 1 2 3 4 1 2. Donc c'est encore faisable. On va stopper. Donc à la fin, on va prendre un power-up, il y en a pas, on va repiger notre main. Donc on en a une de plus qu'on va aller piger. On a trouvé le wiretap. OK. Ensuite de ça, on va récupérer nos 7 actions. C'est bon. Et après ça, là, il faut faire là, les alertes. OK, les alertes. Qu'est-ce que je vais prendre? OK,
OK. Bon, je vais prendre le swag bag. Donc, ce que ça mentionne ici, ça dit que vous ou bien toutes les autres héroïnes font le suivant. On prend 2 balles de notre set et on le remet dans notre courant. Donc, autrement dit, genre, je prends 2 balles d'ici, je le remets dans ce sac-là. Aussi simple que ça. Donc, ça va en avoir un, ça va être remis à plus tard. Je vais enlever le 3 rose puis le 2 jaune. Ça, on va remettre ça dans le sac. On va les revoir un petit peu plus tard. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Pour le boss, il va activer son effet. Donc, ça, ça passe. Ah, d'ailleurs, une bonne synergie parce que si jamais il manque, si j'ai un ou deux jetons de trop pour ça, ben ça, ça aurait pu m'aider. Là, dans le fond, j'aurais peut-être dû le jouer plus tard, celui-là. Là. Donc, stratégie que j'ai peut-être manqué ici. On va voir si ça va me faire mal plus tard. Donc, le pattern, on l'a ici, ça va. Donc, on va enlever un jeton au hasard. Donc, il m'en reste 4, un des 20. Donc, on y va. C'est un 12. Donc, 20 divisé par 4, ça fait 5, 5, 10, 12. Ça serait celui-là ici, right? Ouais, c'est ça. Donc, celui-là, on l'enlève. Et ça mentionne ici, les actions d'équipe ne peuvent pas être utilisées. OK. Ça, les actions d'équipe, qu'est-ce que c'est? Juste mentionner, je pense que ça n'aura pas d'effet pour nous maintenant. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, là, au début, je vous avais expliqué qu'il y a des cases ici, on pourrait aller chercher d'autres actions. Ça, c'est quand on joue à plusieurs. Les verts, c'est quand on joue à plusieurs. Mais il y a les mauves ici. Lorsqu'on joue en mode coopératif, ce sont les mauves qui sont mis ici. Et ça, ce sont des actions coopératives. Comme vous voyez cet exemple-là ici, vos coéquipiers vont piger un pattern. Donc, pour 2 actions, on pourrait faire ça pour aider les autres lorsqu'on joue en coop. Ce que ça mentionne ici, c'est que ces actions-là ne seraient pas disponibles. Mais on joue en solo, il n'y en a pas de ça. Donc, celle-ci ne nous fera rien pour l'instant. Donc, on va pouvoir continuer tel quel. Toujours sans oublier que ça, ça va rester jusqu'à la fin, par contre. All right? OK, parfait. Donc, c'est fait pour ça. Va falloir que je re-remplisse mon sac, mais aussi avant, il va falloir que je change de pattern. Donc, on va juste arranger ça un peu. OK, le prochain pattern pour le boss, c'est... OK... Desaturate Outbreak, donc une ligne complète sans jetons, sans balles. Puis en bas ici, ben c'est le même texte. OK. Parfait. Donc, dans notre sac, on en a besoin de 10 de plus. Donc là, remarquez, ça va probablement être 10 tout le temps. Donc, on y va. On en ajoute 10 de plus dans le sac. J'en ai déjà 2 là-dedans. Hein. Ça va faire 12. Là. 1, 2. On mélange ça. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. All right. Let's go. On y va pour le 3e round. On commence. Donc, on a un 2 rose. Ensuite de ça, on a un 2 rouge. Par la suite, on a un vert. Ensuite, on a un 2 vert. À date, il y a juste le rouge qui me mettrait en danger si je pogne un 4 rouge. On a un 3 rose. 1, 2, 3 ici. OK. Ensuite, on a un 4 jaune. 1, 2, 3, 4. OK. Ah, peut-être un autre. On va pousser notre chance. J'ai un petit peu quand même de choses à faire. C'est un 2 jaune qui est un étoile. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas regardé les étoiles si j'avais quelque chose. Donc, j'ai peut-être manqué des étoiles que j'ai enlevées un peu plus tôt. Je m'en excuse. Il aurait fallu que je prenne une action par étoile que j'en... Ben, en fait, une action par étoile, oui, que j'enlève. Donc, je vais essayer de porter attention là-dessus. Là. Alright, je pense que je vais stopper pour tout de suite. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, je pense que je vais jouer tout de suite quand même le wiretap. Donc, c'est malheureux que je ne peux pas monter ça plus haut, mais on va le prendre ici. Donc, j'ai un 2, j'ai un jeton ici, puis les 2 autres s'enlèvent. Donc, si on enlève ça, là, c'est une étoile, mais je ne peux pas prendre plus d'action. Donc, on enlève ça. Parfait. Sans oublier qu'il faut que j'aie une ligne complète. Hein, pour le boss, là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, il va falloir que, ben, quoi que c'est... décision de descendre, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite de ça, ce pattern-là ici, comment que je pourrais le faire?
Ça me prend deux jetons. Ok, fait que si je prends 1, 2, 3, 4. Bon, je pense que je vais peut-être prendre. Ouais, je vais peut-être continuer à prendre un petit peu de jetons encore, juste pour être sûr. Donc, on a le 3 jaune. 1, 2, 3. Ah, le jaune commence à être rough, là. Ok, on attend ça, on attend un petit peu. Bon. Ouais. Je pense à ça. J'en descends à 2. Ben, j'essaie de faire ce pattern-là ici. J'ai 2 balles-là. J'essaie d'avoir ça ici. Fait que si je descends lui 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me prendrait 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 actions. Ok. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. 5 actions comme ça. Donc là, on va pouvoir faire le off the record. Donc j'ai 2 balles ici, 2 vides. Ces 3-là sont enlevés. J'ai pas d'étoiles dans ceux que j'enlève. Ok. Ça, c'est fait. Il me reste 2 actions seulement. Ah là, je viens d'utiliser un pattern, donc je dois perdre une action. Il me reste 1 action seulement. Ouais. Bon, on va continuer à mettre des balles. On n'a pas le choix. Il m'en reste peut-être 4, je pense. Si. Je sais pas si c'est un bon move ce que je viens de faire là. Ça a coûté cher quand même, là, en fait, d'action. Un rouge. Ensuite, on a un 3 rose. Ensuite, on a un 3 bleu. Ici et on termine ça avec un 3 bleu encore. 1, 2, 3. Je pense que j'en ai plus. Non, c'est ça. J'ai plus de balles. Bon. Là, ma dernière action, il faut absolument que je m'en serve pour libérer une ligne. Mais avec une action que je pourrais pas. Ah, je me suis fait avoir là. À moins que je puisse utiliser ça. Donc, je pourrais enlever ça ici. Mais même si j'enlève ce jeton-là, avec une action, ça ne marcherait pas plus. Faudrait que je prenne une action pour aller là. Comme ça, j'enlèverais ces deux-là, mais j'ai plus d'action pour venir. Mais j'enlèverais une étoile. Mais à cause que je vais avoir une étoile. Ah, faudrait que j'enlève plusieurs étoiles, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je pourrais pas l'avoir, malheureusement. Ah, oh, ça, c'est pas bon. Si je suis pas capable de l'avoir, ça veut dire que je vais changer de pattern, mais je vais avoir un autre 10 là, qui va se rempiler là-dessus. Là. Il m'aide pas, lui. Il m'aide vraiment pas, là. Ok. Sinon. Non, je peux pas. Je le vois pas. S'il y a quelque chose à faire là, pour avoir la ligne, je le vois pas du tout. Là. Le seul pattern que j'ai, c'est le firewall. Puis ça me ferait quoi enlever là, un comme ça ici. Ça m'a enlevé un là. Si je tasse lui avec mon 1, je vais enlever ces deux là ici. Mais il va me rester le 2 qu'il y a là pour que je peux pas descendre. Il me restera plus d'action. Ouais, mais par contre, il faut quand même j'enlève un petit peu de balles, pareil, là. Donc, je vais prendre ma dernière action pour tasser ça. On va utiliser le Firewall pour s'en débarrasser. Donc, un jeton, un rouge, puis ces deux-là, ils vont partir. Il y a une étoile là-dedans. Avec l'étoile, je vais gagner l'action ici. Sauf que elle mentionne que chaque fois que j'utilise un pattern, je perds une action. Fait que je l'enlève. Fait que j'ai plus d'action pour descendre ça, pour faire la ligne. Fait que j'ai plus d'action, j'ai plus de balles nulle part. Je dois arrêter le round là. OK. Donc, en enlevant ça, le round, donc ce que ça mentionne ici, c'est qu'on va repiger notre main. Donc là, on a 3 cartes que je dois aller chercher, donc je vais devoir rebrasser. On a le Hard Hitting Journalism, qui est celui-là. Puis on a le Breaking News, qui est celui-là. Ensuite, on va remélanger ce qu'on a, puis on va aller s'en chercher un autre. Bye bye. Ouais, ça n'a pas été fort mon affaire cette fois-ci. Là. J'ai sûrement fait plein d'erreurs stratégiques. Là. Mais vous voyez, là, imaginez-vous avoir le timer en plus de 3 minutes pour faire là, toute cette partie-là. Parce que le timer, c'est pas pour toute la partie. Là. C'est vraiment là, du moment où vous commencez à faire le round jusqu'à ce que vous terminez parce que vous n'avez plus d'action. C'est ça qui compte dans le 3 minutes. Mais des fois, on prend les décisions rapides. Puis même les décisions pas rapides, c'est peut-être pas les bonnes des fois. Là. Donc, si vous avez un challenge de plus, ça, c'est une coche de plus là, avec le 3 minutes. Là.
Donc, The Truth avec celui-là ici. OK, parfait. Ensuite de ça, on va remettre nos 7 actions. Puis avant de passer au boss, il faut que j'aille faire une de ces cartes-là ici. Donc, qu'est-ce que j'ai de bon là-dedans? On regarde ça ici. OK. Bon, c'est, dans le fond, c'est je choisis un numéro, puis je prends tous ces numéros-là, je les remets dans le sac. Ou bien je prends je choisis une couleur, je prends toute la couleur, je remets ça dans le sac. Ou bien je prends une balle du centre, puis je l'ajoute sur mon plateau. Ce qui est peut-être pas l'idéal pour tout de suite. J'aurais dû faire ça au tout début, pendant que c'était moins là, encombrant que ça. Donc, je vais y aller avec la couleur, celle qui dit de prendre une couleur. Laissez-moi voir laquelle, c'est celui-là ici. Donc, le Gift Basket. Ça dit ici, prenez toutes les balles d'une couleur de votre champ de vision, puis mettez-le dans le courant. OK, donc là, je veux dire, là, choisir la couleur verte pour être sûr de ne pas trop manquer. Donc, on remet le vert là-dedans ici. OK. Parfait. Donc là, on passe au boss. Ben le boss, là, est-ce qu'on active son pattern? Je peux pas. J'ai aucun... Ah, attendez un petit peu. Attendez un petit peu, je reviens. J'avais un vert, il y a peut-être quelque chose, je vais dire le jaune comme couleur. Donc on enlève le jaune de la couleur, on met ça dans le sac et là je fais le boss. Parce que vous vous souvenez, là, les cartes alertes, je les fais à la fin de la phase clean-up qui est juste avant la phase du boss. Donc en faisant cette action-là, je viens de me libérer la ligne pour le boss. Puis vous voyez la petite synergie là-dessus là? Pas pire ça, c'est pas pire. Donc là, on passe au boss. Je suis capable de faire la ligne à cause de ma carte alerte. C'était pas mauvais ça. Donc on doit enlever un bouclier au hasard. Donc là j'en ai 3 sur 20, ça veut dire que j'ai de 1 à 6, 6 chacun. Alright. Donc on a un 9, donc 6, ça va enlever le deuxième ici. Et ça dit qu'on a notre main est de 1 de moins. Ouch! Donc j'ai une carte de moins dans mes mains. Oh boy! OK. Donc je vais mettre ça ici pour pas l'oublier. Ouais, OK. Ça veut dire qu'il faut que j'en défausse une tout de suite. Je pense que j'ai pas le choix, là. Mais au moins, je peux choisir laquelle je veux défausser. Si je regarde ce que j'ai ici avec moi, celle-là, je vais la garder. Le 2 ici, je vais le garder. Peut-être le 3 comme ça. Ouais, je vais défausser celle-là ici, le Breaking News, pour que je puisse garder 2 cartes seulement dans mes mains. Yikes! OK, donc il nous en reste 2. Suivant, on va ajouter un autre 10 balles dans notre sac. Plus, ça va s'ajouter aux 2 jaunes qu'on vient d'enlever. Donc, on y va. 1, 2. OK, ensuite on a 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pris un trop. OK, on y va. Let's go! Donc, prochaine balle, on a un jaune. Ensuite, on a un autre un jaune. OK. Ensuite, on a un bleu. Ben, coudonc. Si je pourrais avoir un autre un rouge ici, on pourrait enlever quelque chose de pas pire. Hein? Ensuite, on a un 4 jaunes. Oh! 1, 2, 3, 4. Donc, ça vient de me faire une blessure. Ouch. OK, on continue. Je sais pas si je devrais arrêter tout de suite, mais je vois pas vraiment de pattern que je peux faire. On a un 3 bleu. 1, 2, 3. OK. Donc, on va arrêter et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc... je regarde mes options, sont pas. J'ai un 1 ici avec un jeton, mais il faudrait que j'en passe 3. 1, 2, 3, 4. Ça me coûterait 4. Pour enlever une ligne fi. Ah, puis oh, on a oublié de changer le pattern. Désolé. Donc, c'est important. Donc, c'est ce pattern-là qu'il faut faire. OK. Donc. Bon, faisons-le. Fait que ça va me coûter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 actions. On parle de 1, 2, 3 et 4. Et on va faire The Truth avec un jeton 1. Un jeton ici, n'importe quel. Puis ces 3-là vont s'enlever.
Là-dessus, j'ai enlevé un étoile. Donc, un étoile, ça va me redonner une action. On défausse ça. J'ai utilisé un pattern. Je dois perdre une action. All right. Et ça vient nous aider pour ça. Et si on vient de réussir à l'avoir pour tout de suite, parce qu'il me reste encore des balles là-dedans. Là. OK. Bon, on va continuer à en sortir en espérant qu'on n'a pas d'autres bleus. Parce que les bleus sont quand même assez rough. Là. Il m'en reste encore beaucoup dans mon sac. Donc, on a un 2 vert. OK. Ensuite, on a un 4 rouge de justesse, ça passe. Ensuite, on a un 3 jaune. Ouais. Ouais. Peut-être une autre balle. Je vais essayer de voir là si peut-être une autre balle, ça pourrait m'aider. Un 4 bleu. Ah non, un 4 bleu, ça vient de faire une deuxième blessure. Pow! Yikes! Non, je vais arrêter. Tout d'un coup, qu'il y a d'autres bleus. OK, on va essayer de faire celui-là ici, le Hard Hitting Journalism. Pour ça, par contre, ça va me prendre une action pour tasser lui. Donc là, ça va me prendre un 2 qu'on a ici. On a un jeton, puis les trois autres d'en dessous qui seraient ces deux-là qu'on enlève. Donc tout ça pour enlever deux jetons. OK, il n'y avait pas de, il y avait pas d'étoile là-dessus non plus. Et là, je viens de tuer un pattern, je perds une action. OK, j'ai d'autres balles, j'ai pas le choix, je dois continuer. Elle est rough, la Black Rose. Donc, 3 jaunes, donc ça descend ici. J'ai plus de pattern pour enlever quoi que ce soit, par exemple. Ensuite, j'ai un 3 rose, 1, 2, 3, puis j'ai un 1 rose. Bon. Là, j'ai plus de balles dans mon sac. Est-ce que je suis capable d'essayer? J'ai plus de pattern non plus pour enlever des balles. Malheureusement, j'ai pas assez d'action pour aller m'en chercher un autre. Est-ce que je suis capable de faire le pattern que là, ça m'en prend 4, une ligne de 4? Si j'avais pas celle-là, je pourrais le faire. Fait qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas des cartes alertes qui pourraient nous aider dans ce cas-ci. Fait que j'ai pas le choix d'arrêter. J'ai plus d'action. En fait, j'ai une. Ah, ben quoi que j'ai une action. Je peux pas l'enlever de là. Y a-t-il une autre place que je peux faire quelque chose? Je peux pas enlever ça non plus. Une, deux, trois. Non, je peux pas faire ça. Non, il n'y a pas aucune place que je peux bouger un jeton pour avoir le pattern que là ici. Ça m'en prend une ligne de 4. Là, il y a là ici. Non, même pas. Il y a peut-être celle-là ici, mais si je le descends, je vais avoir ma ligne de 4, mais j'aurai pas mes deux en dessous nulle part. Si je descends lui aussi non plus. Si je tasse lui ou ici, j'aurai pas ma ligne de 4. Si je tasse lui non plus, je le vois pas. Donc, on va arrêter. On va voir s'il n'y a pas une alerte qui pourrait nous aider. Donc, à la toute fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiger nos cartes. Donc, on va en aller en chercher deux autres. Donc, on a le retour du Muckraking, puis le Spam Bots. OK. Ensuite, on va remettre nos 7 actions. Et avant de faire le boss, on a nos cartes alertes. Donc là, j'ai le choix de choisir placer une balle dans le milieu sur mon plateau, ce que je ne veux pas. Sinon, je choisis un numéro de balle, puis j'enlève tous ces numéros-là. Je pense que ça va être celui-là ici. Donc, le numéro que je vais choisir, ça serait peut-être un 3 pour avoir mon pattern ici. Mais les 3, écoutez, là, j'en ai une tonne. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui vont toutes retourner dans le sac. Là. Sinon, j'enlève des 1. 1, 2, 3, 4 ici, mais j'aurai pas mon pattern si j'enlève des 1. Si j'enlève des 2, ouais, je pense que les 2, ça va fonctionner. J'ai pas d'autres 2. Ouais, c'est ça. Je vais décider de choisir les 2. Les 2, on a celui-là puis celui-là ici. Donc, ça, c'est toutes des 3, des 4, 3, 1, 1, 1. Donc, on a notre pattern de 1, 2, 3, 4 avec les deux en dessous pour faire ça. Good. Ça va être remis à plus tard. Parfait. Donc, les numéros, je dois le remettre ici. OK. Ensuite, on passe au boss. On va activer les effets. Donc là, on a le pattern. Donc là, on va enlever un de ces boucliers au hasard. Donc, il y en a deux, de 1 à 10 chacun. C'est un 13, donc on enlève celui-là. Et c'est indiqué ici, intensité plus 4, plus 4. Donc, j'ai 4 jetons de plus à aller chercher. Donc, ça devient un 14. Aïe, aïe, aïe. OK. Ouais. Puis, ensuite de ça, on va révéler le dernier pattern pour le boss. C'est le... comment ça s'appelle ça? Panoradi. Donc, c'est un pattern comme ça. Mais là, écoutez, là, je vais avoir 14 jetons de plus. Plus les deux que là, ça fait...
fait 16. J'ai deux patterns seulement. J'ai... Ah, je ne donne pas cher de ma peau, là. C'est pas grave, on va essayer. Donc là, j'ai 14 jetons à mettre dans mon sac noir. Là. Aïe, aïe, aïe. OK, on y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ensuite 10, 11, 12, deux autres, 13, 14. Bon, OK. Si on survit ce round-là, puis on réussit à faire le pattern, on va avoir gagné. OK, on met des balles. Avant, est-ce que je veux commencer avec un pattern juste avant? Je pourrais si je veux, là. Il n'y a pas de... Sauf que là, ça me prend une étoile ici pour le faire. Mes étoiles sont trop basses. Non, il va falloir que je fasse... Puis ce pattern-là, j'ai pas assez de... Je pourrais tasser lui là. Ouais, faisons ça. Je vais prendre une action pour tasser lui ici. On va pouvoir faire le spam bot tout de suite pour faire ces trois-là. Boum, boum, boum. Là-dessus, j'ai une étoile qui va me remonter à 7. Mais vu que j'ai utilisé un pattern, je dois rebaisser à 6. OK. Pas si pire. Ça donnait un petit break un petit peu. On y va. Je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre deux actions pour aller me chercher un autre pattern. Je vais en avoir grandement besoin. On a le... Ah, le Firewall. C'est pas lui le meilleur, là. Alright. OK. On continue. Mes autres balles. J'ai un 4 jaune. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a un 2 vert. Ensuite, on a un 2 bleu. OK. Ensuite, on a un 1 bleu. Ensuite, si j'aurais un 1 ou un 2 rouge, là, ça pourrait nous aider un petit peu. Ensuite, on a un 3 rose. 1, 2, 3. Encore un autre 3. Wow. OK. Ensuite de ça, on a celui-là ici. Un 4 rose. Non, c'est ça. Donc ça vient nous faire notre troisième blessure, là. OK. Est-ce que j'arrête là pour essayer de faire un pattern? Je pense que oui. Là, il y a juste un petit peu trop de rose. Puis il y a trop de bleu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Donc, je vais prendre une action pour... Ah non, je peux pas. Je peux pas parce que je pourrais faire le mock racking, mais ça me prend une étoile en haut. Il y en a un ici. Ça faudrait que je paye deux actions pour amener là. Mais ça m'aidera pas pour les bleus, par contre. Là. Ouais. Une, deux, trois. Ce que je peux faire, c'est ça. Je vais payer une, deux, trois actions pour faire un, deux, trois. Et on va faire le firewall. Donc, un jeton, un rouge, puis ces deux-là, ils partent. J'ai une étoile là-dedans. Ça va me donner une action, mais vu que j'ai utilisé une carte, je vais devoir payer une action. Right. Là, il me reste seulement qu'une seule action ici. Tout ce que j'ai, c'est le mock racking qui me reste. Et pour ça, ça me prend une étoile dans le milieu. La seule que j'ai, c'est lui ici, mais avec une action, je ne peux pas apporter lui. Je pourrais quand même le faire. Ça me donnerait quand même deux étoiles. Ça me ramènerait à un. Ou je prends une chance, puis je sors d'autres balles pour tenter d'avoir quelque chose ici pour que ça vaille la peine. On va essayer. On va essayer les balles. Pas oublier qu'il faut que je fasse ça aussi si je veux gagner. Là. Donc, mais de toute façon, il faut que je vide mon sac. J'ai pas le choix. Là. Donc, un 2 jaune. Espérant avoir une étoile placée à la bonne place. Si on est chanceux, on a un 2 bleu. Ensuite, il en reste juste trop dans mon sac. Un 2 rose. Là, OK. Ah, boy. Oh boy. OK. Ensuite, j'ai un 3 rose. Donc là, bang, on vient de perdre la partie. Donc, malheureusement, j'ai pas pu gagner. On a perdu toutes nos vies. Voilà. Donc, elle est quand même assez difficile. On a un bel effort quand même. Il restait juste un à faire. Mais écoutez, le plus 4, là, il est assez rough, là. Donc voilà, ça vous donne une démonstration de Bullet. J'espère que vous avez aimé ça. Comme je vous dis, c'est un jeu rapide, mais assez stratégique. C'est un bon petit puzzle, dans le fond. Vous avez là, des habiletés spéciales contre d'autres habiletés spéciales, puis vous devez faire là, le puzzle pour gagner la partie. C'est vraiment le fun. Puis je vous dirais que les personnages puis les boss sont assez variés, là. Juste par exemple, là, une de mes parties test, j'avais pris des personnages au hasard, puis je suis tombé sur elle.
Elle, c'est une cuisinière. Ce qu'elle fait, c'est que j'ai pas d'action pour elle de son côté. Ce qu'elle a à la place, c'est qu'elle a un espèce de sous-chef avec elle. Donc, ses cartes à elle, c'est uniquement pour manipuler. C'est même pas pour enlever des balles, c'est pour manipuler les balles parce que c'est lui. On a trois recettes, puis ça, c'est toujours en vigueur. Donc, ses cartes à elle servent à manipuler les balles pour pouvoir faire les recettes qu'il y a ici. Elles sont pas évidentes, mais sont assez fortes. On enlève quand même pas mal de stock. Donc, c'est différent. De son côté, l'autre boss, mais c'est un autre type de pattern, knife and fork. Donc, vous voyez là, ça commence à 8, ça monte un petit peu plus haut. Puis là, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il ajoute des balles dans le centre directement. Je me souviens plus des cartes, là. Mais écoutez, la variabilité, là, elle est là, là. Chacun sont différents, sont tous le fun. Il y en a qui ont comme pas de points de vie. Ça, j'ai aucune idée comment qu'elle fonctionne, celle-ci. Il y en a, je pense qu'il y en a une qui a juste deux points de vie ou un point de vie aussi. Je ne sais plus. C'est ça, elle en a deux. Donc, je serais curieux de voir comment qu'elle joue de son côté. C'est vraiment là. Je trouvais ça super, là, super bien fait. Il y a une autre petite mini-expansion qui existe aussi, c'est Bullet Orange, avec le fruit d'une orange. Je pense que ça rajoute un autre 4 personnages aussi, mais il me semble que c'est ça, mais il est un petit peu plus dur à trouver, lui, parce que c'est un exclusif Kickstarter. Bref, juste avec un des deux jeux, vous en avez amplement, vous allez avoir 8 personnages qui sont là, jouables soit en joueur, soit en boss, donc énormément de variété. Je vous dirais que tout le reste des composantes, bien évidemment, mis à part les patterns, parce que les patterns, c'est propre au personnage, mais tout le reste des composantes sont identiques. Vous allez avoir deux sets de jetons comme ça. Les jetons, dans le Kickstarter, vous aviez des jetons de bois que je n'ai pas. Mais je vous dirais qu'écoutez, là, les jetons de carton, ça fait la job. Je pense pas qu'en jouant dans le sac, ça va les maganer tant que ça. Là, à moins que vous y allez avec des griffes là-dedans ou du métal, là, ça va durer longtemps. Puis avec les deux boîtes, vous avez deux sets de jetons complets. Parce qu'on met pas toutes les deux sets dans le même sac, là, bien évidemment. Là. Autre chose, si vous êtes préoccupé et que vous l'adorez le jeu, vous pouvez acheter des... c'est des genres de plastique donc on met les pièces de collection dedans en rond. Je pense que c'est des 25 mm que ça prend pour ça. Je pense que ça coûte à l'entour d'une centaine de dollars pour 200 là, jetons comme ça. Puis je pense que c'est ça que vous avez besoin aussi, d'ailleurs 200 pour ça. Puis le sac est assez grand pour absorber tout ça. Puis ça fait vraiment plus satisfaisant quand vous mettez les rondelles sur le plateau. Mais moi, je suis très satisfait avec les petits jetons comme ça de carton, sont assez très colorés, puis je vois aucun problème avec ça. La durée de vie va être quand même assez grande. Donc voilà, donc c'était Bullet. J'espère que vous avez aimé ça. Donc je vous recommande fortement. C'est pas un jeu qui est extrêmement cher. Vous avez Bullet Étoile ou bien Bullet Cœur. C'est deux jeux distincts, mais c'est vraiment des personnages différents que vous pouvez faire un mélange. Puis avec les deux, vous avez un 16 personnages ou vilains. Plus les autres modes de jeu, coopératif, compétitif, solo contre le temps, avec le petit track intensité. Vite, vite, comment ça fonctionne? C'est toutes les balles que vous sortez du jeu, vous les mettez ici. Puis à la fin du round, vous allez monter l'intensité. Vous allez prendre 5 jetons intensité dans votre sac noir, plus le nombre de jetons que vous avez ici. Donc plus vous en enlevez, plus il en ajoute dans le sac. Puis le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Bon, évidemment, rendu à 11 plus tout ce qu'il y a là, ça va être assez difficile. Là. Mais c'est une genre de course contre la montre pour se pratiquer dans le fond. C'est un mode. Pas mon mode préféré. Mon mode préféré, c'est vraiment contre le boss. Je serais curieux d'essayer une partie en coopératif contre le boss. Mais je vous dirais que l'interaction n'a pas l'air tellement grande. Là. Mis à part s'envoyer une balle. Hey, t'as-tu par hasard un 4 bleu? Oui, j'ai ça. Ping, je l'envoie à l'autre qui vient dans le incoming qu'on appelait, qu'on met sur notre plateau. On peut faire notre pattern. Donc, c'est le seul genre d'interaction que je peux voir. Il y a aussi le fait du timer. Donc, on peut jouer en coop avec le timer pour se stresser un peu. Sinon, on n'en met pas. Vous voyez, c'est assez là, tout à fait jouable sans le timer. Ce n'est pas ça qui fait la partie. C'est juste une difficulté de plus. Donc, voilà. Donc, super bon jeu. C'est un super bon filler aussi pour la fin de la soirée avec des personnes. Pour vous tenir réveillé avant de partir. Donc, un petit timer de 3 minutes ou une petite partie de bullet. Même en solo, là, vous n'avez pas grand temps, vous avez une petite demi-heure devant vous, vous avez quasiment le temps de jouer deux parties avec ça. Là. Donc voilà, donc gros merci tout le monde, Bullet. Prochain épisode, on va continuer notre campagne de Sword and Sorcery. Donc ça fait un bout de temps que j'ai mis ça de côté, il va falloir que je me remette dans le bain, je réécoute le dernier épisode au moins, savoir où est-ce que je t'ai rendu, on va ressortir tout ça. J'avais serré les personnages dans les boîtes, mais ils sont encore là, donc on va revenir faire un petit bout encore de Sword and Sorcery. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se voit très bientôt. Au revoir.